Donc, bonjour encore. Je suis content si vous regardez cette vidéo. Peut-être vous avez. Oh. Là, je vous vois. Peut-être tu as des questions au sujet du livre de Mormon et je ne vais pas répondre à toutes ces questions qui puissent arriver. Mais je veux te dire que le livre de Mormon enseigne les mêmes choses que la Bible enseigne. Les doctrines sont les mêmes, c'est justement un autre témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour renforcer, comme preuve, l'idée que Jésus est le Christ et qu'il vit, que nous puissions le suivre. Et en le faisant, nous pouvons être heureux. Et donc, je voulais juste partager l'un de mes écritures préférées, ici, qui montre cette idée que le livre de Mormon enseigne les mêmes choses que la Bible, mais aussi qui nous touche avec l'esprit, qui nous dit que Dieu, il est là et il nous aime. Ici, c'est un jeune homme, il y a longtemps, qui a fait des mauvais choix et il se sentait très mal. Mais après, il se repent de ses péchés. Et il nous explique cette expérience pour lui et pour moi. Ça me touche parce que je comprends cette expérience. Il dit, néanmoins, après avoir traversé beaucoup de tribulations, m'être repenti presque jusqu'à la mort, le Seigneur, dans sa miséricorde, a jugé bon de m'arracher à un feu éternel. Et je suis né de Dieu. Mon âme a été rachetée du fiel de l'amertume et des liens de l'iniquité. J'étais dans l'abîme le plus sombre, mais maintenant je vois la lumière merveilleuse de Dieu. Mon âme était torturée d'un tourment éternel, mais j'en suis arraché et mon âme n'est plus dans la souffrance. Je rejetais mon Rédempteur et niais ce dont nos pères avaient parlé. Mais maintenant, pour qu'il puisse voir d'avance qu'il viendra et qu'il se souvienne de toutes les créatures qu'il a créées, il se manifestera à tous. Oui, tout genou fléchira et toute langue confessera devant lui. Oui, au dernier jour, lorsque tous les hommes se tiendront pour être jugés par lui, alors ils confesseront qu'il est Dieu. Alors ils confesseront ceux qui vivent sans Dieu dans le monde. Que le jugement d'un châtiment éternel prononcé contre eux est juste. Cette écriture me touche parce que chaque jour je fais de mauvaises décisions et de bonnes décisions, mais chaque jour je peux me repentir, je peux devenir mieux, ou plutôt je peux m'améliorer. Et je peux me rapprocher à Dieu. Je peux éviter les sentiments de culpabilité maintenant dans ma vie. Et la paix, la vraie paix, ça vient de Dieu, ça vient de l'acceptance de ça. Le fait que Jésus, il nous sauve chaque jour, il est notre sauveur, il est le rédempteur. Il a payé le prix pour nos péchés. Et ce livre, le livre de Mormon, m'enseigne, tout comme la Bible, qu'il est ce qu'il dit. Il est le Fils de Dieu, il est tout-puissant. Et pour moi, ça me remplit le cœur d'une façon que rien d'autre peut le faire. C'est pour ça que j'ai un témoignage de cette église, du livre de Mormon, étant vrai, de la Bible, de Dieu comme un Père qui m'aime. Et j'espère que tu puisses trouver ça pour toi-même aussi, même si je ne te connais pas. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.